Et yo les mecs, c'est le tour du monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui on va se retrouver pour les infos et les rumeurs de transfert de la Ligue 1. Donc tout d'abord on va vous parler rapidement de notre chaîne. Donc ça va être une chaîne basée sur le foot. Et donc pour cette chaîne, on va faire une chaîne à deux. Donc voilà, on va à chaque fois qu'on va donner une information sur le mercato ou sur autre chose, on va donner notre avis. Donc on va dire si on pense que c'est bien ou si on pense que c'est une bonne chose ou pas pour le joueur ou pour le club. Donc voilà, et donc on va vous laisser sur la vidéo. Et donc, on va tout de suite commencer par la première info de transfert, donc des rumeurs de Ligue 1. Donc, pour cette première information, donc c'est une rumeur de transfert. Donc, il s'agit de Aubameyang qui pourrait s'engager avec le Paris Saint-Germain pour 70 millions d'euros. D'après plusieurs journalistes, il resterait juste quelques détails à régler pour finaliser le dossier. Donc, Aubameyang risque sûrement de rejoindre Paris dans plusieurs jours. Donc moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour Aubameyang. Donc il va peut-être pouvoir apporter quelque chose à Paris et tout ça. Donc moi je pense que pour Aubameyang c'est une bonne solution, mais surtout pour le Paris Saint-Germain que c'est une très bonne opération pour eux. Ça pourra leur apporter un grand buteur côté de Cavani, surtout qu'Aubameyang va apporter de la vitesse et ça pourra bien amener le jeu pour le Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Et pour la deuxième rumeur du jour, il va s'agir de Jean-Michel Siri qui pourrait rejoindre soit le Paris Saint-Germain, soit le FC Barcelone. Voilà, selon diverses sources comme RMC, L'Équipe ou Le Parisien, il pourrait rejoindre un de ces deux clubs. Donc je pense que pour le PSG ou pour le Barça, ça pourrait être de très bonnes recrues. Surtout pour le PSG, ça permettrait de leur accentuer leur milieu de terrain. Et au Barça, peut-être de remplacer pour le futur Iniesta qui arrive bientôt en fin de carrière. Bon, moi je suis d'accord. Je pense que ça peut apporter un volume de jeu au PSG qu'ils n'ont pas avec Verratti. Mais cependant, je reste un peu sceptique puisque Jean-Michel Seri, c'est sa première saison où il est vraiment haut niveau. Et j'ai peur qu'il ne refasse pas une saison comme celle qu'il a fait avec Nice. Et surtout que il pourrait plus se diriger vers Paris Saint-Germain, parce que à noter que Seri est passé au FC Porto entre 2012 et 2013, et le futur directeur sportif du PSG, enfin celui qui est maintenant, il était dans le même club que Jean-Michel Seri à ce moment-là, il était à Porto. Donc peut-être que ça pourrait apporter un avantage de plus pour Paris Saint-Germain pour qu'il y aille. Et donc pour cette troisième information, donc c'est une rumeur de transfert, donc puisque Areola pourrait rejoindre Chelsea donc pour remplacer Begovic, donc le gardien de 24 ans qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2019, pourrait rejoindre Chelsea puisque Kevin Trapp est plus titulaire que lui. Donc moi je pense que ça serait une mauvaise opération pour Chelsea puisque Begovic est un très bon gardien et que Areola je le trouve pas très très bon ou peut-être qu'il n'a pas encore confirmé. Donc moi je suis plutôt d'accord. Voilà, je pense que Areola il a pas beaucoup démontré de belles choses sur cette saison. Voilà, il a été titulaire en début de saison, mais voilà, en fin de saison, Kevin Trapp a repris la main sur la titularisation. Voilà, je pense que ce sera pas une bonne opération pour Chelsea, parce que Begovic, pour moi, est meilleur que Areola. Et pour la quatrième information de cette vidéo, il va s'agir de Mahrez qui pourrait signer à Monaco après le départ de Bernardo Silva à Manchester City. Voilà, Riyad Mahrez qui est un très bon joueur et qui veut partir de Leicester cet été. Voilà, il voudrait partir, mais il sait pas encore dans quel club. Donc il a été annoncé dans plusieurs clubs de Ligue 1 comme Marseille ou comme Monaco. Mais pour Monaco, l'opération financièrement elle est très compliquée, parce qu'après leur signature de Youri Tchemals et de Jordi Gaspar a été quelques jours avant le départ de Bernardo Silva, ça pourrait être cher pour eux. Et puis le montant de Mahrez serait estimé aux alentours de 40 millions d'euros, alors que
que Monaco est sous-estimé à moi. Je suis tout d'accord avec toi. Ça serait une bonne opération pour Monaco. Surtout que Riyad Mahrez veut quitter Leicester l'année prochaine. Mais c'est vrai que 40 millions pour eux, ça reste assez cher. Surtout qu'il demande plus de 6 millions d'euros par an. Donc ça reste très compliqué pour lui. Mais ça serait une bonne opportunité pour Monaco. Pour cette cinquième information, donc il s'agit de Chicharito, donc qui pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc je pense que ça serait un bon buteur pour l'Olympique de Marseille. Surtout qu'il a inscrit 11 buts cette saison en Bundesliga. Mais Marseille devra faire face aux offres de Lyon. Puisque Lyon a proposé une offre à 12 millions d'euros. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc les deux clubs vont se livrer une bataille infernale pour essayer d'avoir Chicharito. Moi je le verrais plus à Marseille puisqu'ils ont une plus grosse ambition. Donc moi je suis plutôt d'accord, je pense que Chicharito serait mieux à l'Olympique de Marseille parce que je pense qu'avec leur projet ils peuvent recruter des bons joueurs, ils pourront aller loin. Donc ça serait une première bonne recrue pour l'Olympique de Marseille, pour leur attaque. Et Lyon, je pense qu'ils ont, même si la Gazette va partir, ça pourrait être un bon remplaçant de la Gazette. Et moi, je le verrais quand même plus à l'OM. Et donc, pour la sixième recrue du jour, il pourrait s'agir de Laurent Koscielny qui pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille pour 34 millions d'euros. Voilà, les Gunners qui ont demandé 34 millions d'euros pour laisser partir son pilier de la défense, Laurent Koscielny. Donc voilà, après, l'Olympique de Marseille, ils ont beaucoup recherché à avoir des défenseurs comme Zuma ou encore Rami, en passant par Abdennour. Mais bon, je pense que Koscielny, ça sera un très bon défenseur et je pense qu'il pourrait faire du bien pour l'Olympique de Marseille en défense. Moi, je suis plutôt d'accord. Surtout que ça fait plutôt longtemps que Koscielny est à Arsenal. Donc je pense qu'il a un peu envie d'aller voir ailleurs. Surtout que les Gunners demandent 34 millions d'euros. Je trouve que c'est pas cher pour lui. Et donc pour cette septième information, donc il s'agit de Kylian Mbappé qui pourrait rejoindre le Real Madrid ou Manchester City. Donc qui serait prêt à débourser 130 millions d'euros donc, pour s'attirer les services du joueur. Moi je pense que pour la pépite de Monaco, ça serait mieux qu'il reste à Monaco pour confirmer une deuxième saison et puis envisager un départ plus tard. Parce que si ça finit comme Martial, qui est parti très jeune et qui n'a pas réussi à confirmer, ça serait dommage pour lui, je trouve. Je pense que Mbappé devrait rester à Monaco parce qu'il a pas. Certes, il a fait une bonne deuxième partie de saison, mais je pense que comme tu l'as dit, Martial, qui lui est parti très jeune à Manchester United et qui a joué qu'une saison là-bas, et là il était remplaçant toute la saison à Manchester United. Donc voilà, je pense que ce serait mieux pour lui de rester. Puis après, pourquoi pas envisager un départ dans un gros club s'il fait encore une belle saison à Monaco. Et donc pour cette dernière info, il va s'agir de Fabinho qui pourrait rejoindre soit Manchester City, soit la Juventus. Mais Fabinho lui-même a dit qu'il préférait rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola que la Juve. Donc moi je pense que pour Fabinho ce serait plutôt pas mal parce qu'il a quand même fait une très bonne saison et ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'il est à Monaco. Donc voilà, je pense que ça serait une très bonne recrue pour un des deux clubs qui le veulent. Donc moi je suis pas d'accord. Je pense que Fabinho devrait rester encore comme Kylian Mbappé quelques saisons à Monaco, donc pour qu'il confirme aussi. Même si je pense qu'il pourrait aller dans un grand club, je pense que ce serait mieux qu'il reste. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette première vidéo sur notre chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez comme info mercato, ce que vous voulez comme style de vidéo sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le like et à vous abonner, ça nous ferait vraiment très plaisir. Et puis moi je vais te laisser dire au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.
Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à bout. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent dans ma corrida. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là.